C'est-à-dire, au début, aux accolos 12. Mais 12 mots à zoité, c'est-à-dire d'idées à zuité. Allez, ma gamme à zuité. Et tu es. C'est pas normal. Et il fait partie des poutistes. Ouais. Oui. Et c'était lui le commanditaire en plus. Le pasteur Godempoy, très intelligent, Ngai, Yé, Jibempiana, n'a tenu de la gomme. Sautant à bien, on se retrouvait le rôle à Godempoy, on se retrouvait le rôle à Blaise Boula, on se retrouvait le rôle à Jibempiana. L'histoire de Sokoda, Blaise Boula index totalement en somme, comme être parmi les putschistes au Basalaké. Il revient sur le pasteur Godin pour y passer un mot. Ah non, mais Godin pour y en a plus de temps, il y en a plus de temps bien. Plus de temps à la JB. Et comme on a passage à ciel, bon, comme tu as pu que tu as rançon, personnellement, et ça l'a bien été. Ce qui peut se faire, c'est que répondre à ciel. Et comme sous des ordres, histoire où il y a un redémarrage, comme il y a un JB. Bangonde, ba bengi ba master ba ya ba sala cop. On a tempérament Blaise Boula si pelagi te ndenge ntsona tsaka epoate. Mais ntsona pas akipe obligé à tsaka epoate. Ça pose un peu pour il faut visa. Pour certains c'est difficile pour en avoir, mais pour na fali ça paraît être plus facile. Donc c'est dire azuyaye un moment azuyi presse akey azongi. Maman Mirabel il y a pas longtemps, a été copé ça moi réponse n'est le qu'on a y a ma main noire tout ce qu'abat toi arrêter la bêtise dans la main noire en soi il faut ne te bander ne consacrer la démarche n'a pas pour un voyage plutôt à la organiser plutôt à la crédibilité le quoi là moi n'en aille collègue n'aille fallait pour pas l'homme m'a dit l'a fait n'a visa 80 au même fallait au salon les lots fallait qui annonce double stade des martyrs. Ferregola qui annonce double Tata Raphaël comme un festival. Festival, ça doit être continuel. Il a annoncé sa première édition. Comment s'y prendre pour qu'un artiste congolais, enfin, arrome le festival au Ezamounene, mais où Melipe? Double concert au Stade de Martyr, il a grandeur d'esprit. Ok. Fali aza égal à lui-même. Je ne sais pas comment il en a. King Fali Poupa, esprit on a esprit et abondal. Donc, il faut que Bandal, les gens ne comprennent pas les aranines. Bandal, ils ont l'esprit aux alas sûrs de soi. Pour moi, un réel plaisir de voir Ferré aussi à oser. Et sa belle initiative, qui est à ça le festival Moro pour la première édition. C'est une bonne chose. Moi, je demanderai à l'artiste, de bien organiser les choses. D'avoir à ses côtés. Le professionnel, moi, ma faille et aux alamoué belé et pas un dégo ferré. Magasin exotique trompette maquette, na Villeurbanne, na arrêt métro Cusset, et c'est un abisso grâce à Teddy Kamote, ma ya louange. Bisso tout ça, awa na Lyon. Il y a bio, il y a congolais, il y a kawa. Ndunda, matembele, pondu, ngai ngai, likayabo, exeter, lituma, atieke, fumbwa, exotique, trompette, marquette. À Lyon, so le qui a été, ou ça y est le roté. Biso to y a to paye ma plan. Awa, so lambi, ou l'y a eu moroté. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Tap Send. Tap Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, on a une maman, papa, mbongo, cousin ou neveu. C'est plus facile aujourd'hui. Tap Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude, c'est très rapide et fiable. Ce qui est au Tindimbongo, on a Kinshasa, on a Orange Money, on a M-Pesa, on a RTL Money. Ce qui est au numéro à Brazzaville, on a MTN, on a RTL Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 euros de bonus. Donc ce qui est au Tindimbongo, frais de transfert,
les athéos. Très chers abonnés, aimables téléspectateurs fidèles de l'émission Table Ronde de Afro Combat Télévision, bonjour, bonsoir, bienvenue. Bien des choses à tous et à chacun, on vous espère en tout cas très très en forme. Un grand plaisir aujourd'hui, à nouveau sur ce plateau, lui c'est Jipen Kabongo, l'idéologue. Moi j'aime bien l'appeler comme ça, solbatiquement nous, aujourd'hui cette émission, nous allons les recevoir comme analystes, chroniqueurs, mais aussi comme un culturel, parce qu'il a travaillé dans plusieurs projets culturels du Congo, mais aussi en termes de ses créations et idéologies. Il nous a proposé pas mal de projets autour des festivals et autres. Voilà pourquoi le choix est porté sur lui. Question d'aborder tous les sujets ayant trait avec la musique congolaise, quelques sujets ayant trait avec les actualités. Donc on va toucher et l'histoire de la musique et les actualités pour bien voir et cerner certaines pensées de nos artistes et musiciens, mais aussi quelques sujets entrés avec l'organisation ou les organisations, si vous voulez, des concerts, des spectacles et autres. C'est vraiment les bons profils pour cette émission. Alors, il a été demandé plusieurs fois. Je profiterai d'ailleurs d'entrer déjà comme ça pour dédier cette émission à Djibril Ibanga, les fidèles de JPN Kabon. Lui, quand c'est JPN Kabon, il suit du début à la fin. Il regarde, ensuite il prend note parce qu'il aime bien suivre les émissions de Monsieur Jipen Kabongo, qui est notre invité. Glody Mensa sur la réalisation de cette émission. Nous dédions cette émission très particulièrement et chaleureusement au couple Kaniki, Monsieur JFK et sa femme, Madame Sandra Aguito Kaniki et toute la famille Kaniki qui nous suit dans de très bonnes conditions. Jipen Kabongo, les grands idéologues, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, le pharaon de la presse congolaise, Thierry Mombaya, le parisien. Et bonjour aussi à tous nos fidèles téléspectateurs, à tous nos fidèles internautes. On est toujours là au service de la nation. Je profiterai aussi de l'occasion pour saluer mon frère et ami Djibril. En tout cas, on est là au service de la culture congolaise. Sans oublier Charlemagne Mayassi. Charlemagne Mayassi, bonjour à Kinshasa Braza, et Komi Moga Moko. Et mes compliments au couple Kaniki. Là, je vois Jean-Flavien Kaniki, Papicho et Madame. Ça, c'est l'appellation des vrais vrais. C'est un grand plaisir. On s'en est à plateau. Ça fait bien longtemps que tu es à plateau. Tu travailles, Pepo, moi trop bon. Il y a trop de programmes. Il y a ma solo. Mais on est là. Sinon, la santé et tout le reste, ça va. Je fais grâce. Comme nous le disons toujours dans notre slogan, Soukaina, toujours dans le coloïs. Donc, Pio, Pepele, tout ça, c'est Kimia. Libota, famille. Donc, Soukaina, toujours dans le coloïs. Bonne ma solo, à Solba. Solidarité Bandalungwa Solba Motoramoto Bongisa 10 ans jour pour jour. Oui. Donc un certain 22 mai 2014, on a été inspiré par l'éternel Dieu pour mettre en place la structure Autobing Solidarité Bandalungwa. Et cette année, nous avons totalisé déjà 10 ans. Et cette année, il y a année à 10 ans solbatique. Donc, nous avons tellement de programmes pour la célébration des 10 ans d'existence de notre structure. Donc là, nous allons commencer d'abord par l'activité que nous appelons Solba Orphelin, qui veut simplement dire solidarité Nabisso aux orphelins et aux enfants en situation de rue. Parce qu'en réalité, les enfants de la rue bazala raté. Bazande bana oyo. Basé la situation à Balabala, parce que la rue en soi est un genre d'agabanaté. Situation moro quelqu'un né et celle qui est banabala Balabala. Et nous allons commencer par cette activité et à Solba Orphelin, nous allons organiser un repas solbatique avec nos enfants. Il y a orphelin moro de la place, précisément na Makala Ngunza, Ruzalakuna. Et après, nous aurons plusieurs activités. Nous allons clôturer les 10 ans de Solba au mois de décembre par un grand festival dénommé Festival Bandal C'est Paris, à Bandal, dans le cadre des 10 ans solbatiques.
Solba, d'un côté, c'est le côté culturel, événementiel, concerts, festivals et autres. Mais aussi l'autre côté sociétal, entre autres, il y a une action humanitaire où il y a des centres pour visiter les orphelins, et tout. Mais est-ce que, je dirais en termes, parce qu'aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de tourner cette émission, il y a une investiture, il y a un nouveau gouvernement. Il y a Mme Judith Ekuti maintenant en exercice. De manière d'abord, au niveau national, je vais prendre ça comme ça, et au niveau provincial, là, on a Kinshasa, et très précisément, au niveau Ndaloa. Est-ce que les autorités, les dirigeants prêtent aussi attention aux activités ou accompagnent aussi les activités solbatiques? La chance que nous avons, les autorités, ils ont compris l'idéologie solbatique. Depuis le chef de l'État, qui est Ndaloa. Ouais. Mais ça aussi, ça prête confusion hein, pour Batouming, Babiga, chef de l'État, limité. T'es chef de l'État, Azapé, moi la limité, puis papa a limité. Mazaïl Nano, moi la Ngirikoto, Aza, moi la Bandalungwa, puis Aza, moi la limité. Nous nous disons, et solbatique, toute personne qui est liée à la commune de Bandalungwa. Okay. Et la première parcelle, il y a Papa Nabiso, Etienne Tisséri de Wamulumba, ils ont la Bandalungwa. Okay. Donc, chef de l'État, à l'ansaka opération Kin. Balançant à quelques mètres à Chebango. Ndenge loué lobby, kotia propriété à quelques mètres à Chebino. Donc, les autorités, on a comme le ministre, ou bah Zongi, il est sous son poste, et autre bagage, Azala Zala Ndaloa, qui est vraiment de cœur avec nous. Il y a l'honorable Godin Poyi Kadima qui est vraiment avec nous. Donc, autorité n'y a pas. Mais dire que nous bénéficions vraiment, subvention de Nézalara passe encore, mais nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir parce que déjà, tant que déjà idéologie, côté et comité, là-bas, instance, ça va conduire ton espoir. Parce que Solba, nous lobby du côté culturel, mais du côté social, on a eu à faire des activités belées, surtout la pression est belée. Si et seulement si aujourd'hui nous avons le séparataire Naveni Kasavubu, ils ont des démarches moraux solvatiques. À l'époque, pour la petite histoire, dans ce élément, Naveni Kasavubu, cimetière à ciel ouvert dans Bandalungwa. Et nous avons mené des démarches. Il y a eu un jour où, la journée, moko, trois personnes ont été tuées. Tout le monde a été tué. Bakayao, donc, dans la Rawbank. Tout le monde a été tué dans Bichilix, dans Chibang, dans Souka. Et nous avons mené des démarches. Tout cela, à l'époque, avec nos amis à Solba Sinkin, nous avons mené le garage Bakayao. Tout ça, des centres mourants, tout ça, bah séparateur de fortune. Donc, tout ça, Mabaya, tout ça, séparateur depuis Bakaya ou Tichibango. Et à l'époque, nous sommes allés voir le pasteur Godin Poyi, l'honorable Godin Poyi, qui était encore à l'époque député provincial, non pas encore président. Pas encore président, il était seulement le représentant à Bissau à niveau provincial, Azara Elina Bissau à l'époque. Et nous sommes allés là-bas, tous discuter. Et c'est de là que l'idée est sortie. Il y a Routia, tonneau, na place où on a avenue Kasavubu. Beaucoup de gens, c'est caca, mais il y a une idéologie. Et grâce à tonneau, l'honorable Godin Poyi, à Tiaka, le pasteur Godin Poyi, il y a Tiaka, attention, la chef de l'État, Tachi Béton. Oiseau les Kananzelanda, moi les bâtonnois, on est tiré attention à comprendre l'histoire et puis après ça va injonction, c'est la mission séparataire, voilà. Démarche solbatique. Aujourd'hui, on a eu à rencontrer à deux reprises le ministre sortant, il y a urbanisme et habitat. Oui. Papa Nabisso, le patron de la RTGA, Papa Pius Mabilou, pour le dossier ma construction anarchique la bandale. Aujourd'hui, Nzela Oyo, il fallait être désengorgé. Bandal, Kitambo, Nzela Wana, Eza, Euti, na Uta, na Kasavubu, et Koti, na Kankogolo, et Bimatina Triomphal, un projet génial laissé par le chef de l'État, le maréchal Mobutu, un grand notable de la Coupe de Bandalungwa. Nous sommes bâtis à l'époque de Raïs pour ce dossier.
voilà gouverneur zaga entre Kimbuta Yango ayaka wana a bukaka ba construction et après à l'époque de Fachi Béton to bandé sous démarche na comme la instance nyoso on a écrit au chef de l'État ti ta bourgmestre ya Bandalungwa Dieu merci on a été réussi par d'abord par l'autorité provinciale de l'époque le président Godepoy qui est même descendu sur place accompagné d'un ministre en Abisso provincial, il y a urbanisation et habitat, maman Tsasa, honorable maman Tsasa, donc il tarawana. Baboukara Biloko, mais à notre grande surprise, ma construction se zongi. Nene et zongiwana. On a eu à parler avec, on a eu à échanger plutôt avec, son Excellence Pius Mabilo pour ce dossier, et voir même bah, inspecteur et à urbanisation. Il y a urbanisme, puis habitat, bah, Kitarawana, bah, ça a quand même un rapport, mais c'est difficile. Mais nous ne sommes pas trop limbatés. Nous avons toujours de l'espoir dans le gouvernement Oyasika que les choses vont rentrer dans le droit chemin. Donc, Solba a pu faire beaucoup de choses pour le bien-être de la population ndaloise, de la population quinoise et pourquoi pas. Et la population congolaise. Donc là, on a tellement de projets dans l'Italie parce que nous sommes là pour notre activité socio-culturelle. Donc, Solba, il y a 10 ans, on a pu faire des choses, mais bien que tout, mais quand même, on peut dire bravo à l'idéologie solbatique. Ça, c'est une très bonne chose. Si seulement dans chaque secteur, dans nos provinces et dans chaque commune, il y avait des organisations pareilles. Il y a qui est accompagné puis aussi en matière de sensibilisation beaucoup plus parce qu'après avec le phénomène Kuluna, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, ben, une salubrité dans la commune, surtout dans la commune de Matete, on ne sait plus comment orienter les choses. C'est-à-dire, bah, montagne, bah, poubelle, et botamawana. On espère que bah, notable à chaque coin sur Batélémi, Netisol, Bessala, en Abandal, et au Salabi, c'est un très grand plaisir pour moi à Kinshasa. Déjà sol ba motona moto motona moto bon ça je profite aussi de l'occasion de soulever makambo ya boya ya ba salité na batité et nous allons lancer toujours dans 4 à 10 ans une grande activité il y a tout bien en haut campagne solbatique de conscientisation et de sensibilisation de la population quinoise sur la salubrité autobengi Kinshasa na biso moto na moto a bongisa. Déjà nous avons Tokotari Studio, je peux pas bon la comment texte et il y a Bartiste Bayembaki, merci na masalanga japonais be abeta guitare. Bartiste Bayembaki nous avons réalisé une très belle chanson dénommée Kinshasa na biso moto na moto a bongisa. Et ça bongo pour sensibiliser la population, pour conscientiser la population au Italie propriété à ville à Kinshasa. Faisons appena qui ne l'appelle pas, on peut tout dire, on peut colobander tout le mais il faut d'abord qu'on conscientise aussi la population. Parce que les hauts propriétaires, il y a ville à Kinshasa, ils allent Kambo, il y a l'État qui a raté, ils allent Kinshasa, il y a une population population a bon ici, l'État peut a bon ici. Donc, montrez-moi, à part, il y a responsabilité. Donc, ils allent projet Oyo, tu retiens la Mesa pour la bande de Nabiso, Oyo, Bazui pouvoir, Bazaki choisi, élu par le député professionnel de Kinshasa. En l'occurrence, Ndokonabiso, le gouverneur Daniel Bumba et Ndokonabiso Yangiri Koto, le vice-gouverneur Eddie Yeli. Donc, tout est libre prochain à Mesa. Et nous allons commencer les lancements d'ici là, donc d'ici fin juin, nous allons commencer les lancements à campagne dans 4 districts. Nous allons commencer d'abord dans le district de Lukunga, parce que Kinshasa est dans le Lukunga. Là, nous allons commencer dans la commune de Kitambo, pour Lukunga. Et après, nous allons dans la commune, comment dirais-je, dans le district de Funa. La charité bien ordonnée commence par soi-même, tout ça dans la Bandalungwa. Et après, nous allons dans la commune présidentielle, nous allons dans le compte du district de Moamba. Et nous allons dans la commune historique. Nous avons na Massina, na compte ya Chango. Donc nous allons commencer, nous allons lancer campagne dans 4 districts et nous demandons l'appui il y a tous les 24 bourgmestres de ville à Kinshasa. Nous demandons l'appui et ça projet Obiso Toyeli Daniel, le gouverneur Daniel, na vice gouverneur Eli Yeli. Moni, c'est bien bon de critiquer mais toi tu as la piste à solution. Tu Obiso Toyeli Kinshasa lelo oyo ndenga na roloba
Gouve Daniel Azumboka oyo ezana na réanimation. Donc Kinshasa azam soki ba mboka mususu medaya daichu. Donc azap na réanimation donc azu na ville lelo oyo ba ba ke bana musala moko munene ba zu Kinshasa azo vivre na ba bengani na ba bonbon. Ba bonbon. Donc azu Kinshasa presque ya rodaye. Donc ezam musala moko munene oyo bandiko bazui eza blague te. Donc bazana boulo ya danger ya kin alors moto na moto a porté pierre na ndenge to lobi Kinshasa moto na moto bongisa et le projet ezawana merci na ba ndrono sur la presse merci na Thierry Mombaya merci na ndrono biso ba ndrono sur la presse oyo na cadre ya presse objectif congolaise ba otianga poa ba ndrono so na sengi bongo soutien ya ba leader d'opinion nyonso ozali député okoti na projet na te kolobela sozo ko na binote on a eu grand prêtre ya Moamba ceux qui na projet na otie maboko te kolobela sozo parce que na finale ya projet na ya lancement campagne tout ça la concours pour tout bimisa 24 communes 24 avenues propres ya ville à Kinshasa na cadre ya Kinshasa na biso moto na moto abongisa. Très intéressant, il est solbatique, il est ndalois, il est notable. Et aujourd'hui, je pense que j'aimerais bien profiter de sa présence ici pour rebondir sur ces sujets que je trouve hyper importants, mais aussi de l'autre côté très sensibles. Cette guerre qui voit les jours, j'aimerais dire qui revoit ou qui refait surface. À l'époque, c'était la guerre entre Ouéra Jibé, les camps Ouéra Jibé. Mais on sent, depuis la dernière sortie médiatique, il y a ingénieur Ciel, Blaise Boula, les propos sur Ouéranson, les pics sur Ouéranson. On essaye de faire les liens entre vraiment les dossiers Sokoda et la manière dont Blaise Boula s'est libéré dans les médias. On a comme l'impression qu'au-delà de Sokoda, il y a un autre souci, il y a un autre problème. L'histoire de Sokoda, Blaise Boula indexe totalement Ouéranson, comme être parmi les putschistes au Basalake. Aujourd'hui, le mandat Nyokalongo a pris fin, l'époque de Mondonga a pris fin, mais on a comme l'impression que c'est un blocage pour les gens. C'est un peu compliqué et c'est décevant aussi par rapport à l'attitude de Bandeko Mususu, notamment Blaise Boula, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Il m'a dit à l'écoute, les solos, et puis il a sonné tout le bagarre. Katindale donc de bandal na abondal yemoya ebinde to betango et comme on a passage ya ciel bongo ko beta ba pic na Ouéranson personnellement et ça l'a bien été en tout cas na c'est pas la qualité par rapport à comportement ya kulutu na Blaise Boula en fait maramba Sokoda c'est un maramba Sokoda ba réalité yemoko ciel a ebi. Mais en réalité, Sokoda, parce que moi qui vous parle, je suis aussi membre de la Sokoda. Je suis membre de la Sokoda depuis, je crois, 2016, 2017, comme ça, 2018. À l'époque même, il y a Vieverkis Kemangana, DG Agou Michel, Azaki Chassé, puis il y a Azali DG na El Blaise Boula. À une époque, on a affilié parce que la Sokoda, en fait, est la société congolaise des droits d'auteur et de droits voisins. Ils ont pris un bateau, ils ont créateur, ils ont œuvre d'esprit. Artistes en général, puis bisous bah, culturels, notamment ouais. Bah, journalistes, parce que ouais. Ça, là, ils ont œuvre d'esprit. Ouais. Hein, donc, il faut que ça s'affilie dans la Sokoda. Et nous sommes allés et. Tout cela que vous êtes qui est membre de Sokoda. Mais Marambo, et aussi à Sokoda, il y a à manger et à boire dans ce domaine, dans cette histoire, voulais-je dire. Mais surtout, tu bêtises, c'est tellement comme il y a un pic où il y a nous avons mis sur Blaise Boulepa à Ouéranson. On a vu que dans l'émission en question, il y a ciel, la personne, normalement, il fallait attaquer. Ils avaient un gestionnaire à Sokoda, entre autres, le DG Joe Mondonga, qui est le DG AI de la Sokoda, et les PCA Nyokalongo. Mais apparemment, Yassiel a quand même attaqué Ouéranson. Le pourquoi tout éviter, mais ils ont le remords où on a esprit où il y a un redémarrage. Ils ont un malamouté.
Parce qu'aujourd'hui, on a sur le wingé en fait. Na ba ajo ba komina yango, il faut sagesse na maturité. Le problème est que ça n'ango certes parce que na wingé moto na moto aya na pire na ye na wingé moto na moto na tempérament na ye na wingé, tout le monde le sait. Blaise a fachaka là au bena bwe donc ba bi na tempérament mais na ajo ba komina na esprit à redémarrage, je crois que si est seulement si il y avait de choses à dire encore bien na téléphone toi Luki intermédiaire le rôle à Jubin Piana, machin, va ranger en gros. Il y a un esprit à parler. Mais, au Bimabongo, ils ont bien mérité. Parce que ce qui peut se faire, il va répondre à ciel. Et comme sous désordre. Bon, dans ces bégas, on a vu comme une idéologie, mais on a vu que c'est un plan. Non, il y a un côté, mais c'est un volume. Donc, carré à danger de l'église, il fallait pas le barra, qui parle, qui gokolo. Mais, je demanderai à Ciel Boula, vieux, à changer comportement. Ou à cela qu'il y en a, en tout cas, et c'est répété la société. Donc, beaucoup de détails, mais, et ça, comportement, il y a mal à monter, qu'on lance, bah, pique, d'avoir ensemble. Parce qu'on peut tout dire dans l'histoire de Wingé, où il n'y a pas n'importe qui. Dans l'histoire de Wingé, où il occupe une place de choix. Dans l'histoire de Wingé, par rapport à l'histoire et par rapport à ma réalisation artistique, peut-être à niveau international. On parle de Wingé comme orchestre, mais si on veut parler d'une star au sein de Wingé, nous allons parler de Weranson. Ça, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à aller par quatre chemins. Donc, le clan Wingé, en général, il faut pas respecter Weranson parce que. À tomber les pebendel et à winger en gros ma casse puis la musique congolaise en général. Mais à suivre, après moi je vais pas rentrer trop dans la polémique et tout, mais à suivre les propos, on a comme l'impression soit c'est pendant les redémarrages, négé, bah avec Obita concert, organisation et tout ce qui va avec, il y a eu des problèmes éthiques, bah peut-être là-dedans, tout bah vieilles histoires, c'est-à-dire les vieux conflits et puis après on trouve l'occasion pour l'ambiance parce qu'après sous la colère, on a l'impression que tiré à bout portant et d'une n'importe quelle manière, et ça dit que même quand il relatait l'histoire sur le pasteur Godin Pouy, c'est-à-dire c'est juste après cette histoire-là, il y a Mamba PC à Sokoda, il revient sur le pasteur Godin Pouy, PC à Mbote, ah non, mais Godin Pouy, on a plutôt tangana, ils sont tangana bien, plutôt tangana bas JB, et ça, le plaisir à mon appel Massané, à quoi ma PC à Kuna, il peut couper à député. C'est-à-dire, ça revenait toujours sur que, net, il y a des JB, moi, Mingi, où est-ce que c'est les problèmes, où est-ce que c'est pas la bonne base, où est-ce que c'est. Poutiste ou bah ça là qui va éjecter dans qui tu vois là. Bon, je commençais d'abord aussi par saluer le pasteur Godin Pouy, un grand partenaire de Solba. Il est d'abord camarade Solba, donc n'a pas si mbote honorable Godin Pouy ou Abouya Mouibi. Mais en fait, ce que je na Wingé d'ensemble, l'histoire à Wingé, quatre administrateurs. Na des associés y a entre autres Blaise Boula na Dof Dominguez histoire ou à redémarrage copesa ya Ouira na JB bangonde ba bengi ba master ba sala cop ceux qui basaient mutema malamute JB na Ouira ba ko ko catcher cop bango ba betsongo bangonde engana ko pesimba mais na esprit o ya bolingo na esprit Wingé ezaka esprit ba Dalton. Un pour tous, tous pour un. Yango Basala qui était, bah Mastanios va se retrouver, il va se retrouver. Et puis la deuxième version, ben Robin Asusu, na comment dirais-je, na Marie-Paul. je ne sais pas trop, mais Alikambo à Sokoda, Blaise Boula, je crois, à Silika et Makassi, parce que pour lui, son effalat c'est poids. Mais comme administrateur, normalement. Mais toi, Aza réaliste. Par rapport à la réalité, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Quand Blaise Boula a dit que la Bralima nous payait 10 000 dollars, arrivé à Ouira, 120 000 dollars, donc fois 12. Mais quand même, tout peut se respecter. Donc Ouira a pesé. Tout peut se respecter. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Blaise Boula. Lui-même. Allez-y comprendre. Donc, comme je l'ai dit tantôt, dans cette histoire de la Sokoda, il y a à manger et à boire.
Parfois, le tempérament blesse Boula, c'est pour la guité, mais on n'est pas obligé à tirer poité. Parce que, dans l'affaire à Sogoda, à l'époque, à Blaise Boula, Jibé n'était pas membre. Et tant que Blaise, va bien gagner, ou va longo lier, Jibé est comme membre à Sogoda, ti kino le leur. On était dans la conférence de presse, où nous avons dit que nous avons un point de presse, et on était présent par rapport à la répartition. Il y a où nous avons dit que tout le monde a dit que nous avons dit. Malgré Anna et la Blaise Boula, mais elle a besoin de deux enveloppes. Tout le monde a dit de la jungle, Ayakiwana, a besoin de Tsoka Yemogo. Tout le monde a dit Frère Patrice. Malgré Frère Patrice, Azana, elle, il y a Blaise Boula, mais. Ok. Il y a un petit peu de temps. C'est-à-dire, où est à côté, Frère Patrice, côté. Mais, Moutoula Moutou, Azana libre au sol, a choix. Choix, ouais. Et tout le monde a dit. Je vais bien à Tindaki, son homme de confiance, Sege Mino Manata, ainsi de suite. Et surtout, la jeune, la nouvelle génération, Fabregas, comment dirais-je, Binafilé, Rubino Mondibou, voire même à la Coste, depuis Lubumbashi, Azuyon Tikele. J'ai été depuis Mikili, Azuyon Tikele. Donc, tout le monde dit non, Lélo Oyo, la nouvelle génération, bah, on débat bêta. Parce que la Sokoda, il faut savoir une chose, non pas comme étant défenseur de la Sokoda, mais comme étant un journaliste, on a fait une investigation, on a comprendre moi réalité dans la Sokoda, on paye, eux vont d'abord consommer. Ceux qui vont consommer, ils vont foutre, ils vont foutre. Aujourd'hui, en tout cas, il faut ordre moi écouter la Sokoda. Moi, je me dis une chose, la Sokoda a un siège dans la Gombe. Ce qui y a si elle a monique à son mérité, il faut à son à la Gombe. Voilà, balongo la PCA nani Nyajoussar y a occupé place wana, a occupé bureau wana. Mais au sala bureau moko parallèle, c'est un désordre total. Donc, Maramba Sokoda, certes, ils allaient dans mais Makambo Oyo Olobi a wingé. Il y a des marages, et dire que ce que tu as bien, tu as bien, Ouranson, patron, mais vrai Mokongo. Parangalité, patron. N'a bien immobilier, n'a bien donc patron pour parangalité, vrai Mokongo. Côté artistique, si aujourd'hui, dans un moment où, tu as mis trois stars, il y a RDC, par rapport, il y a temps, par rapport, il y a réalité. Tu reçois Kofi Olomide, tu reçois Ouranson, tu as Fali Poupa. Aujourd'hui, moi j'ai travaillé avec Magic System en 2012 dans le Festival International des Étoiles, FIET. Je salue l'honorable Serge Kaimbe. À l'époque, nous étions. J'étais le responsable de la production à FIET et chargé. Et le coordinateur, il y a la communication et marketing. J'ai travaillé avec le Magic System et à Salfo, m'avait soufflé une chose que Bango, le Magic System, lui à Salfo, idole na bangoza Ouranson. Ouais. Idole na bangoza Ouranson. Allez-y comprendre. Donc, on peut tout dire, mais il n'est pas n'importe qui. Un peu du respect na Ouranson. Bandigone moko nanu, il y a une fois passé respect. Ba conseiller, ba passé respect, il n'est pas n'importe qui. Ouera dans sa vie artistique, dans sa vie familiale, en tout cas, c'est le rare musicien où a réussi parce que la vie na union. La vie familiale a un désordre. Aujourd'hui, as un modèle dans l'hôtel de mon foyer, servir mon pâte, respect ma pasteur. La vie naïe ya boué, as un réussite. La vie n'est artistique, où il n'a plus rien à prouver. Il a fait son temps, puis as un an. Na côté ben il y a on sait qu'elle rien à dire. Donc quand tu dis que non, où il a des montagnes à vider na IEC, puis le loyo, as un patron.
aza chef d'entreprise parce que je crois assimilera matière naya bien na IEC et puis gérer le lot. Alors gérer non pas kaka entreprise, alors gérer pe famille naya bien. Donc c'est un peu ça. Donc ma blog wana ya blog mon il faut doter le mélango. Doter le mélango. Moi je ne rien à je ne suis pas pour na ni bango soba bien nga. Yantone, ya ciel, ya bedel. J'ai bien piana bango nyoso ba kwek masela d'abord mona inga na pempe na kwek na ibande ya ale makaba ozui tata mobiste bango tout basa ba vie parce que bango ba pese biso lolo idéologie bandal bango bazu yango ba matériel zango pilelo et pesa makambo donc mais il faut toujours appeler moko bato surtout sagesse à un certain âge soit d'être légué ba 50 ans il faut trouver la maturité na sagesse nyoso zai lolo ya robim sango grand jourté. Parce que si vous êtes aussi dans le retour, tout le monde a été mis en place pour ça, c'est moins grave. JPN étant culturel, aujourd'hui, quand on observe sur le terrain, au moins à Tozo Loko la Sokoda, qui est une société liée à la culture, une société qui protège et qui rémunère les œuvres exploitées en public, surtout Tali, depuis la création à l'époque à Joseph Kabila, Kolonga Soneka, Kouboma, qui a créé Sokoda, au moment où la gestion est en gros, président du conseil d'administration, les artistes, Oye Koto Nabadej, les artistes, mais on a comme l'impression que la gestion est au marché Kakate. La lecture est à Tozoa Sokoda, Topé Sango, entre les mains d'un entrepreneur, un gestionnaire lambda, tout aussi qu'il a en gros Kakaba artiste, parce qu'on a comme l'impression entre artistes et net, mais aussi porté, et nous allons toujours bacan. À mon humble avis, je pourrais dire ceci. La Sokoda, surtout les artistes et musiciens. Les artistes et musiciens ne sont pas toi boy au sein de la Sokoda. Là, c'est, je ne comprends pas ce qui. Les artistes et musiciens, Ata Batangi, Bazarana moi, et le Romoro, ce qui est mystique dans mon tour, dans mon tour de Nem, ce qui est compliqué. Mais moi, par rapport à la réflexion, j'aurais souhaité ceci, que ma paix soit technocrate. Ok. Ma technocrate, où va gérer les artistes, société en haut. Et après, maintenant tu vois là, artistes, bah aux commentaire, bah superviseur, bah l'un de la grande je suis au parce que apparemment, ceux qui artistes, bah go gérer en haut, bah go mourir, ils a pensé aussi matin. Moi, j'aurais souhaité que dorénavant appelé ça bah technocrate, bah tu vois ça suffisamment outillé à la matière, au bah regarde maintenant qui bon gaïté, ok gaï nga grand prêtre t, mais bah il prend un boulot et artiste, bah à la membre et bah look à quelques artistes, bah encore bah superviseur, bah l'un de la grande gestion et autant voilà. Je crois on a des droits, tu vois dans moi Pio, tu vois dans moi Kimia, dans ma Kamu et Tali Sokoda, parce que depuis Ebanda avec PCA Jacques Mundonga Blaise Boula Moutabanda Sokoda, Ambrema, et Koti, tu es là pour les moukindi machin. Échangé, tu veux vers Kiss. Vient malgré Abeli, mais Vélinga Zara, président Sokoda. Il y a Josser Aye, bah, tu es là pour Ambrema. Moi, je crois que si c'est seulement si tu es un technocrate, bah, tu es suffisamment formé dans la matière, il y a droit d'auteur, et bah, gestionnaire d'entreprise, bah, Koti Penana, bah, géré en gros, je crois, tu es un moi, Kimia, dans ma cambo Italie, Sokoda, toi, qui est au blesse à l'égimbongo, au blesse à l'égimbachèque, à chèque sans provision. Blesse qu'on a le baguette, on a la photo à tout 2 millions, 2000 dollars. Mais, maintenant, il y a des membres qui ont un chèque sans provision. Donc, il y a vraiment à manger et à boire dans ce dossier de la Sokoda. Mais, je crois, dans l'ordre du Dewana, c'est seulement si, bah, je suis un technocrate, bah, je suis un artiste. Bah, gérer les bangos Sokoda, je crois, moi qui m'écoute. On espère qu'un jour, bah, conditions, toutes les autorités vont porter un regard vraiment très soutenu pour sur ces dossiers. Pour, on a comme l'impression que nous sommes là, artiste est beau pour Tanabo, pour Malanso, pour Manaya, pour Mambo. Et surtout que nous avons actuellement un culturel, une culturelle. La ministère la ministère il y a culture et art et patrimoine, maman Elébé Chantal. Nous croyons que les choses vont changer. Parce en tout cas, moi, je l'espère. Nous croyons que les choses pourront changer. Et en fait, c'est un peu de mettre de l'ordre dans Makamboa, bah, Sokoda, bah, FPC, tu vas rappeler, FPC. Bisso, organisateur, bah, événement culturel. Tu auras même à ta. Les sous-mités bah, FPC. Subvention à côté, accompagnement à côté, assistance à côté. Ils auront FPC, comme ça, ils auront Nini. Tu mis les Lara. Tango bandeau basalaga wana, les autres aussi artistes,
maman Barbara Kanam, tous bongo DGA Didier Massela, mais tous sentir FPCD. Or, tu yebi la réalité ça la raconte, mais tous sentir FPCD. Et nous espérons qu'avec maman Elébé, son excellence, les choses vont vraiment changer. Et que la culture pénale mboka, les opinions sont censées en paix, parce que tu es allé habilité, comment dire, parce que tu es allé mise en place pour nous accompagner l'artiste et accompagner l'artiste. Tout le monde l'artiste, c'est pas qu'il nous défend mboka libana, mais bazara accompagné par l'État. Ça, c'est malheureux. Nous demandons que le gouvernement ou la maman Abisso JDT, c'est l'Abisso politique culturelle. Politique culturelle, en Mboko, ils ont raté. Il faut c'est l'Abisso politique culturelle parce que la culture, ils ont la valeur Mboko, ils ont diamant, ils ont coltan. Oyo, la culture, ils ont oyo avec Barthi Sonio, surtout au Mona, tout le monde a gagné. Culture, ils ont la valeur Mboko, ils ont la richesse, ils ont on attend tout à l'heure là, mais il suffit qu'on va mettre en place une bonne politique culturelle et que la structure est accompagnée par la culturelle, par l'artiste, tout le monde qui est et qu'on génère moins recettes pour la RDC. Très bien. Alors, bien des choses comme ça. À tous les culturels qui vont suivre cette émission, je pense que c'est comme ça qu'on va redémarrer avec toutes les matières scientifiques qui entrent avec la politique culturelle, puisqu'il y a. Le ministère est lui, Montoisigaota Moussango, celle que je considère beaucoup, Madame Elébé. On espère qu'avec elle, suite à l'enquête culturelle, naïe, récit, toi, comment sur la culture, mais aussi en termes d'orientation, tu es bien qui a remis la bise au projet et à Malam, mais aussi, on aimerait bien voir les portes du ministère de la culture et art, culture, art et patrimoine, à la poule, les points culturels. Question à pouvoir. Vous rappelez l'audience qu'on a beaucoup dans mon compte parce que quand vous demandez une audience c'est vraiment un problème sérieux pour beaucoup dans ma compte. Cette fois-là on espère tout le monde a changement. Alors JPN Kabongo, on suivait plusieurs de vos émissions tant que monsieur peut pas okay d'abord obéir à n'importe quoi aux ongles. Lelo Oyo, 10 ans, plus de 10 ans après les retours sur scène, il y a artistes, musiciens, habitants n'importe quoi. On a vu Fally faire en 2020. C'était, ça a été ce que les Kanawana, Azungi en 2023, Azungi en 2023, Trilogie 2024. On a vu Ferré, là maintenant Félix a calé une date, Héritier vient de sortir une date, les lois mettent en scène de Paris. Fabregas également, Toz et la Gaz, Pekunan, la Cigale. C'est-à-dire, les retours enfin, il y a musique n'a pas tout salami. Je me rappelle encore la dernière émission, tout ça, où Meka peut aborder ce genre dans le sens où il y a non seulement les retours, mais en gourmand pesant en Kati, il y a aussi au retour, on peut faire ça en sorte que l'activité au banal qui fonctionnait, qu'à la part de la concert, ils ont la lecture. On a nous a mis avant tout le temps à Kati à Badita et nous disons tout ça. Lecture dans les actes, c'était notre souhait le plus ardent que le combattant va changer vision, va zonga dans le bon sens. Où il y a combat moro, ils a nobles non pas pendant qu'on ternir, pendant qu'on bébé sa image, il y a culture nabiso quoi. Le lo oyo, la culture surtout la musique congolaise, ils ali vitrine, il y a RDC. Ils a vitrine, il y a RDC. Aujourd'hui, on est connu positivement dans les bandes grâce aux artistes depuis la nuit des temps. Donc et nous disons bravo, félicitations à la personne qui a osé. Là, tout n'est pas quatre chez Mété. Bravo à l'ambassadeur Solba. Là, on est fiers qu'un de Solbatik, à Tsemo Linde, à Epena, à Betty, à Corarena, à Mbreme Salami, à Ika Mpiko, à Esuko Fond, à Esuko na trilogie à Arena. On a bien un monsieur Arena que nous saluons. Parce que, voulant ou pas, nous sommes dans la génération Arena. Ouais. La génération Arena. Et bravo, Nafali Poupa, Ozaki, et après la continuité, Ozaki Touroumakas. Et bravo à Ferigola, double Adidas Arena. Félicitations, Naroga Roga, parce que la musique n'est pas congolaise, ils ont des rives. Ouais. Félicitations, Naroga Roga, Ozaki Carton. Bravo, na frère. Kalambay. Mike Kalambay. Je ne dis pas parce que la musique est la musique. Parce que
embargo na tozora naba chrétien naba chrétien wa non donc le bonne chance na Félix Oise quoi walinga ciel mo ka mais idéologie mo salam ngi no ba récupérer vie le premier après sont les 14 bonne chance parce que ezap journée haute tous serait pas grave nini ya rumba congolaise inscription ouais, rumba comme patrimoine immatériel de l'UNESCO donc le 14 bonne chance na monsieur chemin de gloire Gougane. En tout cas merci beaucoup d'engue à immortaliser Kinkesere Mbene Ndalwa à immortaliser Madilo système Ndalwa précisément bavena nga sinkin donc Kinkesere a venu mona nga lubuzi Madilo a venu mona bafali a venu Sundi. Sundi parce que Madilo est né sur l'avenue Sundi. OK donc merci beaucoup Bandal te dit merci par rapport au immortaliser ba grand prêtre de Ndula Congo donc chemin bref fongami peto bosanate. Il y a un retour, il y a musique, la culture en général. Aujourd'hui, on a vu artistes et comédiens. Merci et félicitations à notre frère Soule Kaouka, honorable Soule Kaouka, en tout cas, félicitations. Donc, Elengi, ils ont mis na poto. Parce que, et moi, qui peux bango, qui peux manquer à gagner, surtout pour la salle, on a mené à Paris. Parce que, tu vas après 10 ans, tu vas dire que nous, au Burkina Faso, on a gagné ça, le mot rien. Et il a fallu que Fali Bazonga, Ferry Bazonga, pour que ça soit dans son élingue. Donc aujourd'hui, bravo à l'artiste et coup de chapeau à Fali Poupa qui a osé aujourd'hui Tomoni et Zalagi pour l'intérêt et la culture Nabiso en général. Puisque nous sommes en train de parler de ces retours signés par les artistes et musiciens à scène, Namikilia Poto, le lot photo loba. Le big non. Papa Chéral Obagi, redémarrage, retour à ma solo. Agi prophète, hein? Ok. Agi prophète. Agi prophète, Agi donne la vision que redémarrage et au salem. En tout cas, coup de chapeau à Papa Chéri. Très important. Alors, retour sur scène, le long de Rato, mais quand ça a une analyse comparative de l'époque, tant au Bawera, Bajibé, Bakoufi, Papa Wimba, Emene, et j'en passe, Baner au salle, tourner na Bango, Baner au Kéokuna, Kobeta, ba concert. Il y avait une vie dans la culture en Abyssokuna. Mais les lopes n'ont pas eu le retour. On peut espérer voir même chaleur, Zalaki, enthousiasme, Zalaki, Zongato, autre temps, autre mœurs, c'est fini. Je l'ai bien dit, autre temps, autre mœurs. Ça, c'est une réalité, il y a vie. Mais néanmoins, à l'époque, mon époque, au tabloïd à Abétara Zénith de Paris, à Abétara plutôt Olympia. Olympia. Et Zarana. En Goma Moussouson. Tant que la grande sœur, Maman Abisso, la tigresse, Abeti Masikine, Aïna Masolo, il y a Zénith de Paris, il y a Masolo Moussouson. Époque Oyo, Kofi Olomide, Aïko Fongole Abisso, Bercy. Bercy de Paris. Bercy de Paris, tout le monde va, ma Benson va, Beta va souk, ma Bercy, tout le monde va, Jibin Piana, machin. Et une époque Oyo, King Fali Poupa, Aïko Lex Abisso, Arena, l'époque arena ils avaient la réalité mon sous donc chaque époque ils ont la réalité na yango mais on peut dire que c'est pour nous un réel plaisir parce que apparemment la histoire ba salango en Afrique c'est toujours les artistes congolais ndé ba zwaka la suprématie il y a ba grande salle na Europe parce que l'Europe n'est pas berceau il y a culture donc l'Europe ils a ba congolais et après une dizaine d'années tomoni mouvement wana vendre les sources et zongi, on ne peut qu'être là pour encourager l'artiste Rabisso. Pas à la gare 5-6T, pas à la peine, il est le lot où il n'y a pas de succès, il n'y a pas de succès, il n'y a. C'est vrai que le lot, tu as une perte de musicien parce qu'à l'époque, on avait moins nombre de et belé à l'artiste musicien. Le lot pour nous tant à l'artiste musicien congolais, à succès, à ta 10 ma comité. Alors, Bissot, nous, les culturels que nous sommes, nous, les hommes des médias, on doit faire un effort pour faire la promotion des artistes et musiciens. Parce que, dans le canal, il y a des artistes qui sont en que non, tout est en pour nous nuire, pour nous ternir l'image de Bango. Ceux qui sont en artistes, ils ont 4 et 5, ils ont manqué à gagner pour Bissot. Mais ceux qui ont fallu, ils ont fait un beau tami. Et que ça soit bénéfique pour la musique Nabiso et pour la culture Nabiso.
Je suis toujours entre ces deux générations, ces deux mondes. Il y a Bakulu, Tokala, Nalelo. J'ai fait une lecture à Moni à l'époque où Taboulé Abetaki, par exemple, à Olympia. Otali artiste, Otali succès, Otali na âge naie, pour lui, il a encore de l'âge. Ao salama mo minene. Pareil pour na ba wera ba jibe, soyez na ba génération na bango. Moi dernièrement, na lors examen ba toi na bi. Na sel calcul âge wera na jibe, na comprend que ba ta ba trentaine d'âge nem ba norme, mais un stade de martyr voilà. Et choqué nga. Ah, donc tous ces risques toujours na ba jeune âge na bi, soyez pour na ba jeune moi ba 30 ans. Pour le loba na ba 30 ans tout monde na ba jeune. Si bango ba no sa ninge nini. Pour réussir na bakouana. Mais j'ai revu aujourd'hui Nathalie Pe Bambo Kebele, d'ailleurs tout à l'heure au salon on va émission Nathalie Basidi qui diabaté, il a fait Bercy cette année, l'année prochaine il va faire Paris la Défense, le Bornabo et les autres. Bon tout bana ba trentaine d'âge. Mais biso awa, bato bazongi, bato ba kobeta, bato bazo signé, ils ont ba quarantaine d'âge. Fali quarantaine avancée, Ferre quarantaine avancée, Boké ba 50 ans, héritier 82 donc 42 ans, donc quarantaine kaka. Ils ont plus ba quarantaine de mbosa là. Quel est l'essor de nos jeunes? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce qui bloque les jeunes? Parce que toi, tu as gaze, tu as innocé, tu as la trentaine, tu as la vingtaine. En fait, il ne faut pas oublier qu'on a fait plus de 10 ans. Donc plus de 10 ans, une quinzaine d'années presque. Oui. Où que musique n'a pas sur la place parisienne, il n'y a pas de bétaté. Imagine-toi, tant qu'on fabrique dans la guise Sixa Yamado, il avait quel âge? 21. Rien n'empêchait la fabrication. Anning et sa zénith de Paris à l'époque. Mais comme la réalité, c'est qu'il y a un combattant manchin, le jeune Fabregas n'a pas pu faire la grande salouana. Or, Yamado et Salah, succès planétaire. Donc, en fait, moi, Perolana, il y a un combattant, il y a aussi la préjudice dans la musique Nabisso. Et ces jeunes-là, au bas de 20 et quelques 30, ils n'ont pas pu se produire, ils n'ont pas pu mesurer le talent de Bango dans la grande salle par rapport à l'événement de combattant. Donc, il y a Bango une dizaine d'années. C'est la raison pour laquelle, tant que la quarantaine, il va récupérer le retard. Donc, ni de cela, je crois, Fabregas. Il n'y a qu'à Fabregas. Mais déjà, Fer est déjà ça là. Un succès. Aujourd'hui, King Fally pour passer déjà un succès. Donc, bah la coste même au sentier bah si mara bah ferme mais au Robert en dernier libanda se comprendre donc mouvement là y a combattant au Europe sa musique en tout cas et posa qui préjudice moko munene Dieu merci de décanter cette situation se noter et moi ça là non bah fallu bah beta bah reine là bah 65 ans donc phénomène on a vraiment et posa qui handicap munene na au Italie musique na biso mais aujourd'hui le jeune comme le Gaz Fabulous, les Gaz Mawete, Manchet, ils doivent profiter de l'occasion. Ndenge motonge zongi va profiter pour n'avoir émerveillé le public. Dans ma grande salle, il y a mis qu'il y a impossible était parce que bazanon ma kilesa non moto. Moni, il faut dire une chose. Ma maman a bêté ma sikini, arrête maman a succès. Mais il a elle avait compris que non, il faut inviter Bandero Nangai pour notre salle une grande fête par rapport au Bango Bazarana succès pas à l'époque. Elle invita Orlis Mabele na Brazzaville, elle invita Pepe Kale, elle invita King Kester Menea. Donc il faut que moi, esprit wana ezonga na musique à Congo. C'est très important parce que tant que Kester Zana succès en Dinzi, elle a bien belaté. Mais elle a un succès. Elle a un succès. Elle a apporté en plus la mère. Ils ont rappelé échange. Pepe Kaletangwana, champion d'Afrique et des Caraïbes, au Bahreïn. Olis Mabele, champion de la tournée. Elle a mis ta tournée. Elle a mis ta salle et un danger. Elle a mis ta stade en Afrique. Donc il faut tout le monde avoir l'esprit. On a comme le Namzika Congo, la concurrence est déloyale, mais tout le monde a l'esprit à échanger au moins que non, et que pour cette musique, Namzika et Kende Moussika. Mais pendant que Yozo Lobama, même il y a quoi invité sur scène, on a vu Fally Poupa par exemple, dans scène, a invité Yosundu, dans le balai qui a mis Kila Potope, Dadjo et les autres,
Mais les choix Youssoundour, et ça n'est qu'un problème pour dire que ouais, il invite Youssoundour parce qu'il n'est pas en bonne relation avec Kofi, ça aurait été Kofi Lengoz, peut-être Pendengue Moussoussou. Donc c'est-à-dire inviter, mais ça se traduit, ça se transmet autrement. Pareil pour Ferré, il a invité Kofi, ouais, parce qu'il n'est pas en bonne relation avec Ouer, il a préféré Kofi, et c'est qu'un problème. Cependant, bien sûr, tout ça, dans le regard Moussoussou Lelo, on cherche plutôt là où se situent les problèmes, qui est comment remédier à ces problèmes-là, Lelo, mais aussi la relation entre musicien Pesa Penza. Malam Omingité, si à l'époque Mama Betty avait la possibilité, il y a Robin à Pépé Calé, il y a Robin à King Kester, parce qu'ils étaient en bonne relation. Au moment où les lobes artistes entre Bango, Abeti succès, Pépé Calé succès, King Kester succès, mais bah Bengani. Mais les lobes, tout ça, bah, on a succès. La première des choses à faire, il faut bah, au Canada. En fait, si on t'allait bien, Barthes Samsung, bah, la première. Si on a faire, il a fallu. Bah, en premier. C'est plus, bah, de quoi. Tous les gens dinga artistes d'être moi quoi que ça on le voit moi mythe moro mais que ça moi barrière moro boy alors il faut et le roi tout ça la macasse le roi et long on a la musique à Congo parce qu'on sait pas en réalité bar un problème t au héritier à la première affaire en réalité à la première na Fabregas bas staff bas bureau bas un peu cause. Il y a aussi la moins polémique wana, entre l'artiste et l'abisso. Et aujourd'hui, on doit faire un effort parce que c'est vrai, parmi le bah, bureau, il y a sentir l'artiste en haut, il y a des règles, mais il y a des gens qui ont une idée qui est bien, qui est mal viable, qui est coopérée dans la moto. Aujourd'hui, il y a un danger mort, il faut tout remédier. Tout remédier parce que quand il y a un épargne de retour, il y a un son dans la fête, il y a un grand hôtel, il invitera, je m'aime bien, il invitera Papa Wemba. Tout le monde a dit que la fête était totale. Tout le monde a dit qu'il y a raté qu'on se remène à l'arabie dans la zone de Djoko. Oui. Inviter à maman Bilia Belle, tout le monde a baptisé Bazaki Belle. En fait, Pablo Kwana, il faut aison à la musique à Congo. Aison à la musique à Congo. Parce qu'il y a une de. Et ça, la beauté à art. Choix, il y a une de Fali Poupa. Pour moi, il y a un choix moro judicieux. Parce que Fali Poupa, en a la fête, il y a Bissoura RDC, mais fête, il y a Afrique. Alors, aujourd'hui, Youssoundour, c'est parmi ma figure emblématique de la musique africaine. Et Youssoundour, ah, parmi les artistes, il y a des chances, il y a des coups de pouce. Et ça, normal. Il faut que ça soit ascenseur. Le choix de Kofolomide, pour moi, il y a ma bête. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus à la ouïra, mais il y a un choix d'artiste. Kofolomide, il a aussi participé aussi à la carrière musicale. Il a fait aujourd'hui, faire a zupé moi, il y a tchatcho, parce que Kofolomide est un génie de la musique. Hein? C'est parmi les génies de la musique à Congo. Et si seulement si Ferré avait jugé bon, Azum Sela, Kulutunaye, Ascenseur, et ça, c'est ma bête. Donc, ça va, Bablo Kumo, et ça, il y a Seming, tout qui est en train de se faire. Tout le monde a une grandeur, peut-être tout le monde a dit non, la musique n'abissou, et que ce soit Ascenseur, Nango, Ndenge Zala Kautakala. Donc, ben invité, bon. Bon, choix à moto, il n'y a pas de salaire. On peut choisir en gros et en gros m'abéter. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout pour ça, Barthes Rabusson, n'a pas de mots quelconque, vous avez toujours ma casse pour la culture de Rabusson. Donc, il y a un moto, 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 il y a une très bonne chose. Et le but est qu'il y a faible, mais il y a une très bonne chose. Donc, tout tika. Côté la polémique, auto-divisé par artiste et musicien. Surtout que, je le répète encore, par artiste Sango Lelo, il y a 15 T. Effectivement, toi, musicien, mon ké ma casse. Donc, il faut tout l'ingé la bango, tout protéger le peu que nous avons dans la musique congolaise. Le peu que nous avons dans la musique congolaise, j'y peine pas dans le noir, au Kenarbe, ta concert, à Mikila, pour tenir ton robe, ta masolo, il y a reprise à ma concert. Il faut osoir mobile bonheur au salon osoir peuple kenda mais pour osoir peuple il faut visa. Alors ça raconte de partout, il y a même des conflits, il y a même des pétitions aujourd'hui simplement parce que excusez pour certains c'est difficile pour en avoir, mais pour Nafali ça paraît
être plus facile. Donc, c'est-à-dire, Azuyaye, un moment, Azuyaye presse, Akeye, Azongi, Azuyaye Batunayo, Batikalaki, un moment, Azuyaye Sampayo, Azuyaye Kunaya, ya Montana Kamenga Somme, Azuyaye Passe, Kose, Koto Azongi, Azuyaye Bendoson. Et comme il faut poser problème au point que d'autres artistes ont du mal à avaler Pili Luana, pourquoi il y a Zora Facile, même Sotozoate. Aujourd'hui, on voit qu'il va commencer même la pétition et autres. Essaye un peu de nous expliquer à l'époque, c'était la même réalité ou c'était plus pratique que ça et à cause peut-être du phénomène Ngoulou Bakoulou, n'est bloqué comme ça va remplacer les autres. En fait, là je me rappelle encore dans ma question, je ne sais pas, Mami Massial, Milord de Ziesa, Motema et Gissi Pamba. Oui, mais que Marambo, il fallait aussi aller là, il n'y a pas de camouflage. Maman Bilabel, il n'y a pas longtemps, a été copié sa moi réponse, il y a ma main noire. Il y a une claire réponse. Alors, bien, toi, arrêtez la bêtise dans ma main noire. En soi, il faut que tu aies une démarche pour un voyage. Peut-être que tu as organisé, peut-être que tu as une crédibilité, le coup, moi, je suis collègue, il fallait pour pas. Il y a une question qu'on a organisée. Aujourd'hui, Fali Poupa, c'est un peu comme l'homme maquette à l'époque. L'homme maquette avait une structure Visa 80. Dans Visa 80, on a Papa Wimba qui est dans la photo, on a Zeiko qui est dans la photo, mais c'est Bélé qui est dans la photo dans Visa 80. Donc, l'homme à l'époque, a qui a crédibilité auprès de l'ambassade de la Belgique. Mmh. Et ça, c'est ce que vous allez organiser, vous avez la crédibilité. Mmh. Dire que oh, fallait privilégier, non. Fallait organiser, vous avez la crédibilité. Moi, dans les autres, il y a Mumbaya, il y a Lula, et là, il y a Bling Bling, oh, il y a Papa Chéri, mais il y a Lilon Lango. Il y a un peu de temps. Au sommet, il y a un. C'est simple. Si on a Varese, on a Jupen Kabonga Alati, Varese personnifié dans l'agence Jupen Production. Varese, bien sûr, cadeau à Lionel Mpassi, le grand goal à Léopard. Autant que Jupen Romano, qui est un peu de temps, il y a un Jupen Production, tout personnifié Varese. Donc, il y a un simple. Il faut que mes collègues, les gens qui ont été en train de se faire, il y a un mot simple, l'homme m'a dit, la fée, na visa 80. Il m'a fallu ça, la lélo. Il m'a même dit, Zaïko, il m'a dit, avec beaucoup d'amis qui lui met, ok jazz, public, ok jazz, on peut faire la musique à Zaïko. Mais empêcher qu'il y était, il m'a dit, pour toujours pour l'humiliation, il y a musique, il y a la culture, il y a la culture. Donc, Bablo Ganao, mais noir, ce sont de faux débats. Et ça qui bassesse au Ezola Tabiso, c'est drôle, dans Mogo, même les intellectuels, de fois, nous descendons bas. Même les intellectuels. Papa, tu peux faire. Baro et Layo, fiche au remplir l'ambassade. Formulaire visa. Au remplir, au PC, passeport Nayo. Mais mon tour a été chargé, il y a des démarches parfois à côté de l'EP. Il y a des dossiers dans l'ambassade. C'est la question, il y a organisation, puis question, il y a crédibilité auprès de l'ambassade. Ouais. C'est un peu ça, il y a un mot simple comme bonjour. Donc, si tu acceptes l'euro, il y a main noire, c'est trop bas. Hein, c'est trop bas. Des fois, je m'étonne de voir même des intellectuels. Bazo raisonner. La bas de l'échelle, là c'est compliqué. J'ai plein de cas bongo, bokei poto, ba concert et zongi, ou rabeti concert, na carton plein, j'ai besoin rabeti, carton plein succès. Chacun avait ses fanatiques. Mais on retrouvait quand même la réussite
en dehors il y a Ouganda JB, bien que c'était tant en abango, son papa est Mbaye Beta, Batubaye. Son côté Pezaiko Bana concerne abango, Batubaye. Kofi Tangaroya, Batubaye. Mais Lelo, on a comme l'impression que la forte concentration des Asikoyo, Fali Poupa avec ses Warriors, Ferregola avec ses Gaulois. Tromi Komituna, le système actuel, bon, puisque les fanatiques ont une concentration entre ces deux artistes, sort y a un artiste qui est en train de se prononcer. En termes de fanatiques, il s'est prononcé par le monde en Amérique. À l'époque, on avait aussi les fanatiques de JB Mpiana et de Weranson. Ouais. Comme tu as dit tantôt là, beaucoup la a bêti. On a vu aussi que non, le King Fally Poupa Aigle a bêti trois arènes plein à craquer. Ferry Paya a bêti, Adas Naye qui toque. Vieux Josser a agi pas agi pépèle. Nous avons quoi? Ils a comme si ils a quoi à l'apparence et ça local là. Mais dis-toi que non, le fanatique de Warion, le fanatique de Gaulois et machin. Bah on quand on a peu bah la musique, ainsi de suite. Donc dire que y a quoi? Yo Morondé osé na yo. Le vieux Josser a osé. Il a fait deux productions. Carton plein, alors ça la consomme le 15 ans. Ouais. Donc, pour dire que le mélomane de la bonne musique seront toujours là. C'est vrai. Et le Oyo, du vent en poupe, et ça, Mingina, Aigle a fallu, Poupa, et Ferregola. On ne peut pas nier la réalité des choses. Mais là, et Péke, si t'es que, Weranson, a qu'un bêta concerné. Na Zénith de Paris, et ça la plein, et ça la bien. Et ça par rapport, il y a question d'organisation, puis planning non dingo ça là. Kokéné là-bas, le yenge, le yengete. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, ne trompe-toi, mon frère, nous avons un peu de temps, les héritiers, machin, ça a fait plein là-bas. Mais il suffit qu'on ait ça là une bonne publicité, ou ça là, organiser événement là qui toko. Qu'on ait dans ma précipitation, c'est parce que aujourd'hui, voulant ou pas, Fally Poupa a simbi ba faire, faire goal à la moto. Voilà, il faut voir la réalité terrain. Quoi dire que non, où y a au Taliban, où on a Fally Ozika. Donc, y est bas, qu'on connaisse ma caméra très bien, mais dire que non, musique, le lot est souillé, on a Fally n'a fait rien, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ma public, on a. Certes, baza ba Gaulois, baza ba Warion, mais bango pe bazali na saiko. Bango ba kenanga e pa roga roga. Donc c'est un peu ça. Donc lelo oyo par le canal de Fally Poupa bien sûr, mais musique zongi nango nami kili e ko zonga malé malé mais bien sûr et nous donnons la chance à tous les artistes et musiciens congolais, mais il suffit seulement d'être organisé. D'être bien organisé pour bien faire les choses. Et non pas aller à la précipitation pour montrer que ngapé nazali wanande mabé. Il faut préparer le Ronaldo dans le calme. Dans le calme. Otanga, otala, bandeko, pozo maïle. Balobi, balou la, beba rappel kolata, na otala baninga. Quoi apprécier, mais quoi envieté. Quoi apprécier, ah c'est bon, mais quoi envieté, non. Et là, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Nous quittons l'Europe, nous revenons à Kinshasa parce que nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Mais j'aimerais tout chuter vraiment très tranquillement. Toi, tu es dans la situation et à Kinshasa. C'était quand même devenu. C'est vrai que le Stade des Martyrs est quand même mythique en termes de concerts, mais aussi de rencontres sportives et salamakona. Mais il y a un mythe beaucoup difficile à démystifier, tout à dénicher, d'autant plus que et souga qui n'a pas ouvert un abajibé, bah vieux basoni, bah redémarrer les sous soubaké. Alors on attendait un jeune ou la nouvelle génération, si vous voulez, c'est lui qui allait oser. Tout le monde y fallait comme toujours à qui a osé kuna et faire, fallait a fait carton plein succès à concert, faire qui arrive carton plein succès à concert. C'est vrai qu'il y a eu Félix Oise quoi et Ritio Atana Belekana Nengelekana, mais ils sont quand même joués. Alors Lelo, fallait qui annonce double stade des martyrs. Ferregola qui a dansé double Tata Raphaël comme un festival. Nandenge ya ki Kinshasa. Double stade des martyrs, où on a un salamat en termes de concert organisé.
en quoi est-ce que et loco ça enfin comme c'est hors du commun dans les salamaté en quoi congolais fois a commis ça assez particulier n'est tout ça que le tout premier concert dans le stade des martyrs et menéa ils ont assez parmi particulier écoute na banal de façon que tout va dans cima tout va ça plein kolekai tout va être le plus longtemps possible que kolekai mais il y a yetika la place moko c'est dire les côtés particuliers de cet événement mais aussi en termes de faire rigol là j'aimerais toi abordant parce que bon le festival Yo Sala, tout Yo Organzaka, c'est des éditions qui continuent. Festival, ça doit être continuel. Il est annoncé sur première édition. Comment s'y prendre pour qu'un artiste est congolais enfin, à Roma le festival Oezamounene, mais où Melipe? Bon, par rapport à l'histoire, il y a ça des martyrs, chapeau bas, la question est menée. Ouais. C'est vraiment un grand homme, un grand esprit. À l'époque, il y a qui rêve. Et le vieux a osé, et il a fait ce qu'il a fait, en tout cas coup de chapeau. Ceux qui te remettent à ça des martyrs, ben, nous renouons, il faut. Ben, on a tant de mots, une minute de silence, pour la question est menée. Et bravo, on a les redémarrages avec le Wenge. Mmh. Coup de chapeau et félicitations, Fali. Poupa qui a osé pour la nouvelle génération, au ouais. Vagasika et musique à Congo. Et bravo, félicitations à Ferigola, Banronios, félicitations à l'héritier Watanabe, malgré la réalité, mais il a quand même joué. Bon courage et félicitations à Karobe Nganzembo, qui a non, aussi osé. Félicitations à le premier musicien chrétien du gospel congolais, Moïse Mbiye, qui a fait aussi carton. Donc aujourd'hui, des stades, double concert au stade Martyr. Ils ont grandeur d'esprit. Ok. Fali aza égal à lui-même. Moi, je pas comme monsieur Elandara. King Fali il peut pas. Son au tel amour l'idéologie, le roi King est cérémonial. En fait, esprit on a esprit et a bandal. Donc Fali le bas qui bandal, les gens ne comprennent pas les aranines. Bandal, ils ont esprit aux ala sûr de soi. Ok. C'est un lati qui bandal. Qui bandal donc. Na lati ki ngai donc sûr de soi en fait des bandal mon père moi la bandal na beto soko pembet bandal za nini moi la bandal ndeza boy na beti mayo na nga ya leopard mayo original ya Fekofa yo ato beti mayo na Marseille mayo na ya Real na zakunate ya ngande za danger le ya yo OK ça c'est le bandal un dalo a la complexité. Au revoir à moi na gombe pepele, au revoir à moi na ngiringiri pepele. Nganaza bondal. Aujourd'hui, Wenge Bima et beta na mouvement moroté. Ba beta te ko na minzoto wela wela, o ba beti na stuka c'est pas vieille lita bembo. Ba mi bango moroté biso moto bimi. Ah, venez sur qu'est-ce que c'est pire, l'idéologie pour Bima. Qui bandal. En fait, Wenge c'est l'esprit bondal. Aujourd'hui, ça incarné par Fali Poupa. C'est la grandeur d'esprit, être sûr de soi, connais-toi toi-même et tu seras irréendengé un de philosophes à l'oba. Ça, c'est l'esprit que Fali a, c'est l'esprit de Bandal. Bon, tu n'as pas besoin de martyr. Être sûr de soi. Et Fali, à ce mesure-là, il y a beaucoup. Fali est égal à lui-même. Et ça, moi, parce qu'il était mon. Aujourd'hui, double stade voilà, de martyrs et anti-ravés. Qu'on se le dise, ils sont anti-ravés, mais j'ai quand même à échanger avec Bandego, Balambara, Marambongo. Mais, Baben déjà boulot, Banagi boulot avant que tu fallait annoncer date. Ok. Allez-y comprendre. Donc, déjà avant. Il fallait annoncer date à Robeta, mais déjà, le préparatif déjà Bandagi, comment organiser le double stade de Fali Poupa. Donc là, c'est une personne qui est sûre de soi, mais qui est aussi organisée. Donc là, en tout cas, il nous fait, comment dirais-je, alors comme ça, à battre. Alors comme ça, battre, mais je vous dis que c'est une personne qui ne fait pas de choses à la haut là. À peu près à Blou, on est déjà en amour. Donc, il faut vraiment tout à la King n'a moins lu ce mot parce que c'est une personne organisée. Donc là,
pour le double concert, il y a Stade de Martyrs, c'est une première. Et nous espérons et nous croyons, par rapport au savoir faire de l'artiste, parfois, par rapport, voulais-je dire, à l'organisation de l'artiste, nous savons que la fête sera totale et aux alas, une réussite totale. Pour notre frère Ferregola, Chœur de Poule, c'est pour moi un réel plaisir de voir Ferré aussi à oser. Et sa belle initiative, qui est à ça le Festival Moro pour la première édition. C'est une bonne chose. Comme c'est un festival, nous espérons que vous avez la couleur et un festival. On n'est pas dans le secret de l'artiste, mais comme nous sommes quand même du domaine, on se connaît dans ce domaine, nous espérons que nous avons un festival, Ferregola, vous avez un festival. Et par rapport à tout ça, déjà, on a Paris, il y a deux jours, il y a Arena. Ah, voilà. Nous croyons que Bakobongi Sangou se souvient, ils ont organisé, mais moi je demanderai à l'artiste de bien organiser les choses. D'avoir à ses côtés le professionnel, on a vu Fally Ipupa. Ce n'est pas le F-Victime qui a organisé le concert de Stade Martyrs. C'était notre frère 360, donc Etel Ngombe, qui a aussi organisé le concert de Maurice Mbille. Donc, notre frère Ferregola, notre ami, doit aussi contacter des professionnels dans ce domaine. Mais c'est en ce niveau-là aussi que les problèmes se posent, parce que bon, Etel est cité dans les chansons de Fally, il travaille Hormis Etel, il y a plusieurs des organisateurs des événements ici à Kinshasa. On a des professionnels dans ce domaine, basé Bélé. Donc, c'est à lui, comme c'est un festival, de contacter. Si on a fait normalement, c'est Rachka Imbé. C'est Rachka Imbé, la langue vieille, festival, il y a deux jours, au CL, en prison. Hormis Rachka Imbé, Jésus Noël Tchèque et Bazorana. Alors, il n'y avait pas JPN Kabongo, JPN Nalingi organisé deux jours dans un festival. On est là. Donc, il doit s'associer aux professionnels pour avoir matérialisé l'idée. Et non pas à ça, les choses à la haut. Là, je le dis comme étant un professionnel dans le domaine événementiel. Parce que moi, ma faille, et aux alamoué belé. Et pas un dégoféré. On doit les dire les choses telles qu'elles sont. Nous voulons l'évolution. L'émergence, il y a musique Nabisso. Donc là, s'il y a de failles, il est grand temps, tout le banamoutou, pour échanger. Nous sommes là pour faire des critiques constructives. Des critiques non pas pour nuire l'artiste, mais pour aider nos artistes. Basala, Makamouki, Toko, parce que nous autres, le chroniqueur culturel, le chroniqueur musical, notre matière à traiter, ce sont les artistes et musiciens. Si aujourd'hui, on n'a pas des artistes et musiciens, on n'a pas des culturels, on n'a pas des artistes, tout le monde. Donc, ce que je demanderai à l'artiste Ferré, à son staff, de s'associer avec des événementiels au vrai sens du mot pour que l'événement soit une réussite totale. Tout le monde est Moïse Mbille. Parce que Moïse Mbille, à Gézoua, frère Loukoum, pour passer Timothée, Azu est professionnel dans le domaine événementiel, a pécié événement et tout moni ou salamiwana. Donc c'est un peu ça. Donc on doit pas faire de choses à la haut là. On doit travailler avec des professionnels. Il y a domaine Oyo Olingiba Sero Moussala. Très bien, il s'appelle JPN Kabongo, le sol bas. Il est sur ce plateau et pour nous c'est toujours un grand plaisir de l'avoir. Pour la matière qu'il dégage, la matière grise, partant de son expérience, mais aussi son parcours. Où il a acquéri beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, il est devenu une source de motivation, un conseiller par excellence pour nous autres, pour moi particulièrement. Et c'est un grand plaisir de l'avoir sur ce plateau Bourré-Mara. Quand j'ai comme invité JPN, j'aime bien de temps à autre rajouter des petits détails, des petites questions pour appeler sa mission matière. Mais pour boucler la boucle, JPN Kabongo pour te libérer pour aujourd'hui. On a vu Solba plusieurs fois organiser Pays Babiloko pour un hommage à King Kester, pour une manière pour pérenniser l'existence de Bango Katanabiso musicalement et autres. Mais ça fait comment ou bénéfice dans les années en tout cas héritier qui sort un album, la 4 albums né. Na kanga ke motema o mama. Tu comprends que Ake Banzela, hein? Voilà. Vekes.
Tokinze momsu boto comprendre que akeba nzela ya madilu system le grand ninja. To van to kanze mba fali jaloux guitare bando beta to comprendre que awa to kote na monde ya vie na biso grand prêtre père abaye momo luambo grand prêtre grand maître luambo makiadi. C'est-à-dire on retrouve dans plusieurs artistes bovan bo ka faire go la. Boiki a lutumba. C'est-à-dire quand les artistes jeunes qui sont consommés aussi par les jeunes bazo ke ndeko puiser musique wana ba ina ngo soit ba mettre un jour ba pesa en forme mususu to ba refaire le ko kulu to sala avantage ngo za ngani en terme ya ko pérenniser parce que ils a parmi ba mission oyo sala ka ko maintenir comme ba artiste na ba festival na on a comme on a dit Bandalungwa ils a pendant quoi moi berceau ya culture ya Kinshasa aujourd'hui dans les émissions Mastanangana PC Mbote Charles Mseka, il m'avait resté dans son plateau. Mm. Et il a dit Tobosani Wenge, Tokomika Fali na Bandalungwa. Mais je lui ai dit, tant Wenge Bimaka, Tobosana be Kesterte, Tobosana Madilute, Tobosana comment dirais-je, Bavena Mesoba Sex Sakulte, Trioma Jesse. Bazala quand tu bosses là avec John Poite, les grands chanteurs. Donc Bandal, ils a combiné et demi ces artistes, surtout bah artistes musiciens ébélés. Et c'est pour nous un devoir solbatique, y a qu'au faire réfléchir bah tout, bah grand noana. Parce qu'aujourd'hui, il faut tous un repère. Fallait ce qu'il faut aujourd'hui, alors bah toujours à s'inspirer qui na. Je suis venu à la maison. Aujourd'hui, je dois un grand merci à Patrick Mouyaya qui a compris la quintessence de la chose et à des éditions, il y a Merci Yampania, il a été avec nous. On l'a fait il y a 20 ans, il y a 25e anniversaire, 25 ans, il y a disparu, il y a Pepe Calé. Idem aussi pour le festival Moutouazaman et Kinkessé Menea et le festival que j'avais organisé à Kalamu parce que Jupen Kabongo n'est pas seulement pour Bandal. J'avais organisé un grand festival à Kalamu, le festival Maître Taureau. Nous avons rendu hommage au premier, comment dirais-je, à Bandal, à Miss en Afrique, à Bissau, Congo, Brazil, Congo, Kinshasa, Maître Taureau. Et à l'époque aussi, Toranzagi, hommage à ma grand nom et à musique Oyo Babimina Komina Kalambo, à l'occurrence Papa Wimba, Kinke Sereménéa, Kisangani Espérant, Dindo Yogo, Bimi, comment Bimi Ombale, Yalengos. Et l'événement était agrémenté par mon ami et frère chancelier des Zingbese, que je salue. L'invité principal est Zaki Bongo Stino Mubi, Stino de la chorale, de la Corota. Donc, la jeune génération. Oui, on peut comprendre qu'il y avait des grands chanteurs au Stoyemba mais il y a même le roi qui s'en espère. Il y a même le roi d'Indogo. Donc c'est pour aider à la nouvelle génération d'avoir de repères, de comprendre que non, il y a eu un Pepe Calé, il y a eu un Kike Sereménéa, il y a eu un Madilu System, il y a eu un Pepe Ndombe, il y a eu un Sex Akul qui ont fait la pluie et le beau temps de la musique congolaise. Donc c'est pour nous, ils ont le mot logiquement, écoutez le mot, il faut être accompagné par l'État congolais. Mais on se bat toujours par nos moyens de bord, mais espérons un jour que les autorités mises en place ils pourront nous accompagner. Donc tout ça, la démarche pédagogique. Démarche pédagogique, parce que on doit toujours avoir tout ça, un repère mauvais. Sous on a répété ton salaire et l'autre côté. Bah tout nous savons comment ta musique m'a cassé au tangi bakumba. Parce que bazo tang, bazo yekola, ou bakulut basala.
nani quelqu'un qui serait mené à trouver rançon, je crois baloba rumba ba nzela ba sela biso rumba ba kulut ba sela biso. Donc en fait chance ba artiste congolais bazana ngo tozana nzela to na base ndenge Fabrice Salobi la rumba congolaise tissez ngo déjà zana mon amta katara atonga na ndenge na ye. Donc toi tu as chance to na base mo oyo ba kulut uta wendo kolosoi c'est ba quelqu'un qui serait mené à ba sela biso. Donc ya kaka otangi ozia yo matière peut exploiter en haut, n'engagez tout le monde là-bas. Bandeau fali, bagou sala, n'engagez tout le monde là-bas. Bandeau la coste, bagou sala, n'engagez tout le monde là-bas. Faire bagou sala, ainsi de suite. Donc, basé la richesse pour l'artiste, il y a la question, il y a le temps à mettre. Avant le temps, il faut oyeba. Il y a un biso, n'engagez sala, bah faire pour rendre hommage à bateau, bah les. Il y a une façon, il y a quoi aider, bon non, n'engagez. Il y a une bibliothèque, il y a le temps à livre, oyo pose en matière. Donc c'est un travail pédagogique que nous faisons. Espérons que les autorités pourront aussi jeter un coup d'œil dans moi, mon salam, qu'est autour au salam pour la culture à Kinshasa et la culture congolaise en général. C'était un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Dernières adresses, nous avons habité au communiqué, puis on dit il faudrait faire des petits coucou. Le bateau, bah, aura toujours plaisir au Léa Mbaye sur les canards. Un grand merci. Nous avons la rabbi, au petit Iba Komboté, basé Bélé. Mais merci une fois de plus au Code mondial, il y a Willy Moucheni, Tolobi. Toboy Moïbi, Mbonga l'été allé à l'État, le shérif, le super flic, il y a la trésor public, on l'appelle l'inspecteur Gilles Alinghetti, Zara toujours Wana Papa, donc Nzambia Pambolayo, Fachi a besoin, il y a Batroga ba Gilles Alinghetti Pimpenaye pour être mandat naïe et Zara résistant moro positif. Un grand merci à là où se repose le cœur de l'homme. On l'appelle Mère Aboupia, Mère Tigitsa Tigitsa Tigitsa, la maman de la princesse Nazériane Kabongo. Gros bisous à ma princesse. De gros bisous aussi à mon fils, le prince Denka, Dan Nazar Kabongo. Je dis un grand merci à Zozo Massamba depuis la France. Très bientôt, ma solo carré. Et je n'oublierai pas Blaise Mandoulou, Papa Fololo. Merci la bande Rognon sur solidarité bandalongwa en États-Unis d'Amérique le couple Marlène Kaluna Papi Nganga sans oublier Natacha Katubalonge et Bende Atalo Nanzela. J'ai dit que d'ici là les 10 ans de Solba donc nous aurons un grand festival Otobi festival Bandal c'est Paris où nous allons rendre hommage à l'artiste Nyonso et à Oyo Baleki na Bandal Oyo Bazali décédé, na Oyo Bazali vivant, qui n'a moto a groupé sa bandale le Kumu, Oyo Vandiboué, na Palais, na Champs-Élysées, président français a retenu la commune Nabino. Oyo Zé est singoté et singoté. Donc, président français a dit que non, je te récite na RDC, à Kinshasa, jusqu'à Bandal. Là, nous disons merci à Fali Poupa, parce que. Ils vont positivement l'image de notre chère commune, Bandalongwa, qui est notre village. Là, je rejoins l'idée à Ndronangaï, Paris 16e, Paris 16e Saint-Valois. Oh, le biais était natif à Bandalongwa, à Oussa, le Kouma Bandalongwa, à travers le monde, Fali Poupa. En tout cas, merci, on est ensemble. Thierry Kafouba, bon séjour aussi à Guy Kakese, Panama, na Kinshasa. Et joyeux anniversaire à mon ami et frère, l'écriture d'or de la rumba congolaise, la voix limpide, Chido Tomolopwe, Pa Popi. Voilà, tout est bien qui finit bien. Grand merci à l'équipe dirigée par Glody Mesa derrière la caméra et dire aussi bien des choses comme ça. Banegotuba Ota Labisso, nous continuons de célébrer ton anniversaire, fiston colloqué El Zapatero, 50 ans. Fiston colloqué Zapatero, 50 ans. Lui, c'est mon ami, c'est le fils de mon grand frère. Ok. Papa colloqué en tout cas. Fiston colloqué 50 ans, ça c'est fait, donc tu refêtes fêtant quoi. Donc en sans tout cas, problème, ça dit tu refêtes cinquantaine, tu ans avec joie. Bah on va besoin pour te refêter ton ami Kili, mais bien sûr, mais la Kina tu refêteras. Toujours avec plaisir, donc bien des choses à tous et à chacun.